Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes le vendredi 24 mars 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif le plus fort et celui que je nourrirai le plus. Eh bien aujourd'hui, j'ai pigé courage. Mon courage indique la voie à tous les êtres humains. Cette carte courage, eh bien, il vient te dire, cette carte, qu'il est maintenant temps pour toi de t'interroger pour savoir dans quel domaine tu es encore trop prisonnier de tes angoisses au lieu de t'emparer courageusement de la barre du navire de ta vie avec tes propres mains. Qu'est-ce qui fait que tu restes prisonnier de tes angoisses Qu'est-ce qui t'angoisse Où Dans quel domaine Est-ce que c'est dans le domaine professionnel Est-ce que c'est dans le domaine familial, personnel, sentimental dans quel domaine sont tes angoisses Eh bien, la fleur de vie va t'aider à développer le courage en toi et à te libérer de tes angoisses. Peut-être que vous vous sentez vraiment pas bien pour, euh, pour différentes raisons, n'est-ce pas Et peut-être qu'il est, qu est grand temps n'est-ce pas euh, d'avoir du courage peut-être d'avoir du courage à dire non à une situation à dire non à une personne à un événement eh bien grâce à cette carte c'est c'est comme le courage légendaire du lion qui se dirige vers toi Vas être rempli, empli, pardon, tu vas être rempli d'une force indomptable. Tu ne te rends même pas compte à présent que ta posture se redresse d'elle-même. Tu n'en as même pas conscience, n'est-ce pas Mais aujourd'hui, tu vas prendre conscience de cela et ce courage tout nouveau. Que tu vas avoir ou que tu as déjà te permettra aisément d'emprunter les chemins qui te sont tout à fait personnels. Et quel que soit, n'est-ce pas, l'obstacle que tu vas rencontrer qui encombre ton chemin, eh bien, grâce, grâce à cette énergie du courage, tu vas avoir maintenant la capacité de poursuivre visiblement ton objectif personnel. On t'invite à ne pas te laisser troubler. Pas même si dans ton entourage il y a des personnes avec des opinions différentes des tiennes fait éruption dans ta vie. On t'invite de ne pas dévier de ton chemin personnel. On t'invite à être Courageux, courageuse, fidèle à toi-même, plein d'énergie et d'assurance. La fleur de vie, eh bien, elle est là pour construire tout autour de toi un immense champ de courage de manière à ce que tu puisses exprimer ta vérité, suivre la mission de ta vie, tout en te portant comme. Comme un charme, la fleur du courage va faire volatiliser tous tes doutes et tu te sentiras réconforté. C'est avec une joie que tu vas suivre l'appel de ton cœur. C'est, allez. On parlait du lion. C'est le courage identique à celui que David ressentait en, en lui lorsqu'il faisait face à Goliath. Parcours maintenant ton être tout entier, n'est-ce pas Et aie le courage de prendre tes responsabilités. Quel beau message pour terminer cette semaine, n'est-ce pas alors, je prends une carte dans l'oracle des couleurs, bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Belle synchronicité avec le courage. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Et bien sur cette belle phrase, je termine cette capsule en vous souhaitant euh, une... Toute belle journée, un très joli week-end. On se retrouve dans une prochaine capsule et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous dans la douceur. Prenez soin de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez. Et puis moi, je vous embrasse tout fort. À tout bientôt.